La situation est très connue dans le monde de l'influence. Cette jeune femme née en 1997 est une entrepreneuse française que nous pouvons retrouver sur YouTube, sur divers supports pour des podcasts qu'elle anime toutes les semaines et évidemment sur nos écrans de télévision. Tantôt adulée, tantôt méprisée, cette jeune femme sait se montrer force de caractère et fait preuve d'un grand courage afin de toujours rebondir, peu importe les remarques. J'ai décidé ici de lui consacrer cet épisode, car elle fait le doublage actuellement du rôle de Barbie avec son compagnon, qui lui fait le rôle de Ken. Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je vais dédier à quelqu'un que nous connaissons tous et toutes très bien. Alors, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, puisqu'ici, je vais vous parler de Léna Situation. Alors qu'on la connaisse personnellement dans ses vidéos sur YouTube, ou qu'on en ait juste entendu parler dans son rôle d'influenceur, ou bien encore qu'on ait assisté aux polémiques à son sujet lors du Festival de Cannes, où des propos très choquants ont été tenus à son encontre, notamment par rapport à son physique, je pense que chacun d'entre nous a au moins entendu parler de cette célèbre jeune femme qui est brillante et qui effectue une carrière jusque-là vraiment très fulgurante, puisqu'aujourd'hui, si je lui dédie ce tirage, c'est parce que je viens d'apprendre qu'elle a ouvert son établissement et aussi qu'elle fait le doublage avec son conjoint du film de Barbie. Donc elle se développe dans de nouvelles activités et n'a de cesse de nous surprendre. Donc je lui dédie ce tirage pour toutes les personnes aussi qui la suivent et qui l'apprécient, afin de voir, puisque malheureusement pour elle, elle a également eu quelques problèmes de santé récemment, certainement dû au stress, hein, puisque c'était plutôt un ulcère. Donc je vais voir un petit peu avec vous ce qu'on peut nous dire sur Léna et puis sa situation à elle, sans mauvais jeu de mots. Alors, c'est parti. Ici, on nous parle de changement. On nous parle de désir, de jeu de hasard, de chagrin, de litige, de secret. Alors, je vous propose tout de suite d'analyser cette première ligne de carte. Alors, afin d'y voir plus clair, ce qu'on peut déjà nous expliquer ici, avec cette carte du changement, dans un premier temps, c'est que, comme on le sait, ou comme en tout cas je viens de vous l'expliquer, elle est dans une période un peu charnière, où son corps semble la rattraper et lui demander de ralentir la cadence. Donc là, on lui demande vraiment de faire attention, avec cette carte également, aux influences d'autrui. Et puis également de peut-être ralentir au niveau des invitations. Ça doit être quelqu'un, j'imagine, en tout cas semble-t-il, qui est très sollicité. Donc là, on lui demande du repos. Nous avons ensuite la carte du désir. Donc cette carte nous dit ici qu'elle attire la sympathie autour d'elle
Et effectivement, on le sait, hein, c'est quelqu'un qui est vraiment apprécié, mais qu'elle n'est pas forcément comblée pour autant par cette célébrité, cet amour extérieur. Il lui faut plus que ça. Et pour elle, c'est important d'avoir vraiment son entourage familial et amical très proche. On nous dit que c'est quelqu'un qui se ressource dans le naturel et avec des moments simples ici. Alors, pour la carte qui traite des jeux de hasard, ici, on nous dit, attention, mais on nous dit également que le hasard, pour elle, traite de son foyer, de son logis, de sa vie personnelle, on va dire, et que, il est favorable. Donc, on lui dit ici qu'elle peut lancer tous les projets personnels qu'elle souhaite. En tout cas, ça s'annonce sous les meilleurs auspices ici. Concernant le chagrin nous apprend ici avec la carte de Aaron que c'est plutôt la santé physique et morale qui est impactée. On nous demande ici pour Léna de soigner ses nerfs et de se reposer de nouveau. On insiste beaucoup là-dessus. Je crains que si elle ne suive pas ces conseils qui ont dû lui être donnés par des médecins, je suppose, la situation pour elle se complique un petit peu. Donc vraiment, lever le pied pendant l'été, ça pourrait être pour elle vraiment très très utile. Alors on nous dit avec le Roboam qui arrive à l'envers et qui à lui-même en fait n'est pas du tout une bonne carte hein, de litige. C'est qu'elle une carte qui nous dit vraiment qu'on est dans l'ostentatoire, hein, des gens qui se montrent un peu méprisants. Et ici, on nous dit avec cette carte qui ressort à l'envers que quelqu'un au-dessus d'elle, alors je ne sais pas si elle a un agent, enfin en tout cas qu'il y a quelqu'un au-dessus d'elle, peut-être lié à un de ses contrats en cours, qui va tenter de lui mettre des bâtons dans les roues. Alors les secrets ici sont représentés par la carte du ciel et donc de l'aspiration au mystique, au mystérieux et à tout ce qui aussi peut être difficile à comprendre du premier abord. Donc on nous dit ici qu'elle va se découvrir une nouvelle passion. Alors je ne sais pas, à voir, puisque c'est vrai qu'elle s'est déjà beaucoup diversifiée. Hein. Et on nous parle aussi d'une certaine présence bénéfique autour d'elle, une protection qui vient d'au-dessus. Ici, nous avons le terme vicieux, le voyage, nous avons l'amant et l'amante, pardon, la prospérité, la grossesse et la réussite commerciale. Donc avec le terme vicieux qui veut bien dire ce que ça veut dire, hein, je crois qu'on est clair là-dessus, ici est représenté le roi, le sultan d'Égypte, quelqu'un qui n'est pas toujours très agréable à fréquenter. Donc comme on nous parlait au-dessus de litiges et de disputes, je pense vraiment qu'il s'agit d'un homme. Hein. Pour moi, on nous donne ici une précision. Et dans cette précision, on nous dit que c'est un homme qui n'a pas de vergogne en fait et qui va tenter de l'attirer à elle en lui disant, en lui faisant miroiter des choses. J'espère en tout cas que cela va s'avérer échouer. Et on nous dit de toute façon que oui, puisqu'ici nous avons une carte qui est une très belle carte, qui nous indique que Léna est dans une période vraiment positive. Et alors ici, on peut nous parler évidemment de privation, mais dans ce cas, on nous dit qu'il va y avoir la révélation aussi sur un doute. Donc, elle va apprendre des choses. Ce qu'on peut nous dire aussi avec cette carte, c'est que potentiellement, cette personne serait d'origine étrangère ou aurait des contacts réguliers avec l'étranger. Mais ici, ça se révèle à plusieurs reprises avec le cheval, et là on est vraiment dans la roue, hein, donc dans ce qui est mobile. Donc c'est déjà de très fortes indications sur la personne qui peut ne pas être si bénéfique qu'elle semble vouloir le dire. Nous avons ensuite l'amant et l'amante qui arrivent ici avec le 5, le 5-11, qui nous dit que c'est des élans du cœur. Et qu'ici, dans ce cas précis, on va être dans une situation amoureuse très épanouie. On ne nous parle pas forcément d'une autre personne hein, qui interviendrait dans le couple,
Mais on nous dit que c'est un couple qui se comporte comme un jeune couple. Donc tout se passe bien dans l'intimité et ils sont très heureux ensemble. Semble-t-il, il n'y a absolument pas d'ombre dans le ciel de Léna, puisque derrière, les cartes indiquent la prospérité, la grossesse et la réussite commerciale. Donc pour moi, c'est vraiment une personne dont le sourire reflète son âme. C'est une jeune fille qui, malgré son succès, semble rester très humble, je trouve. Je ne la suis pas spécialement, mais je regarde de temps en temps ses vidéos et j'apprécie son contenu. En tout cas, pour la prospérité, derrière, avec le 4 de bâton, on nous dit de rester prudent parce que la carte est arrivée à l'envers, surtout dans les transactions commerciales. Donc pour une femme, on nous dit vraiment ici que ça peut être une grossesse, hein, de nouveau. Donc on nous dit attention dans les relations commerciales, mais en tout cas, ça va réussir. Il faut rester juste très vigilant. Et cette carte peut également signifier la grossesse. Et ici, derrière, avec la vraie carte qui se nomme la grossesse, on nous apprend en fait que ben voilà, hein, c'est ben, tout simplement une grossesse qui arrive possiblement. Alors, si tel était le cas, ben, je lui fais toutes mes félicitations et je lui souhaite beaucoup de bonheur, si c'est dans les mois ou dans les années à venir également. Mais je crois qu'on va en entendre parler, peut-être pas pour cette année, mais il me semble que dans la temporalité, on n'est pas si loin que ça. Le 9 de coupe qui indique donc la réussite commerciale vient clôturer ce jeu pour Léna. Et on nous parle ici d'un chiffre d'affaires qui occupe. Donc elle est toujours très prise au niveau du boulot. C'est quelqu'un qui réussit parce qu'elle s'implique énormément et qu'elle se donne vraiment les moyens de ses objectifs. Donc on est face à une personne qui est très réfléchie. On est sur une jeune femme, mais qui est vraiment très intelligente et très mature. Voilà ce que pouvait nous indiquer ce jeu pour Léna. Et afin de clôturer cette vidéo, que je ne souhaite pas faire trop longue et puis pas du tout trop intrusive, bien entendu, dans sa vie de couple et dans sa vie sentimentale, je vous propose de nous orienter beaucoup plus sur sa carrière, qui est très intéressante, puisque là, on a regardé au niveau des problèmes de santé, ce qui pouvait un peu advenir. Eh bien, au niveau de sa carrière, je vais regarder avec le jeu de haut ce qu'on peut nous indiquer comme mots, tout simplement. Je verrai si je prends ou pas des images pour compléter par la suite et lesquelles je vais sélectionner. Donc, alors, on a déjà des cartes qui veulent sortir. Super. Donc, on a l'enfant ici. Hein. Décidément, c'est très marqué pour elle. Hein. Une humiliation, on peut penser au festival de Cannes. Hein. Et c'est quelqu'un qui rigole tout le temps. C'est une fille qui est tellement joyeuse à l'écran, en tout cas. Je ne dis pas qu'elle n'a pas sa vie avec ses complications. Mais en tout cas, c'est une personne qui donne de l'énergie et qui n'est pas avare de rire, de sourire et de sympathie envers ses collègues de travail d'autres chaînes. Et puis aussi, j'ai l'impression quand même qu'elle est très proche de sa communauté. Donc, malgré son succès, c'est quelqu'un qui semble quand même rester proche. On nous parle du père ici, donc sûrement que le père pour elle a une importance particulière. Alors je vous confirme que je vais recouvrir ces cartes parce que du coup ça m'intéresse d'avoir des précisions parce que là on peut vraiment interpréter je dirais à toutes les sauces les mots qui ressortent. Moi dans mon ressenti, lorsque j'ai essayé de préparer cette séance, donc de me connecter un peu à l'énergie de cette jeune fille, j'ai compris vraiment pourquoi les gens l'apprécient. C'est quelqu'un qui ressort vraiment. Il n'y a pas de vice caché, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les star systems où derrière les grands sourires, il peut y avoir des sacrifices, des choses très moches. Là, non, pas du tout. Donc, c'est vrai que c'est agréable pour moi aussi de faire des tirages sur des personnes qui dégagent des énergies, solaires. Ça change un petit peu. Et puis, c'est vrai que c'est tellement étonnant d'une si jeune personne. D'avoir autant de recul sur des situations qui ne sont pas simples. Hein. Elle aborde beaucoup de sujets avec ses invités et on sent une certaine maturité dans son émission en podcast qui est très intéressante. Moi, je vous invite vraiment à regarder de temps en temps parce que les sujets peuvent être très variés et surtout, les invités qu'elle reçoit peuvent s'exprimer, elle écoute les réponses, elle laisse le droit de parole, ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines émissions. La seule critique, c'est que je suis abonnée à Spotify
Et que je paye donc. Et dans son podcast à elle, il y a quand même des publicités. Oh, eh ben écoutez, je vais ranger ces cartes parce que j'en ai d'autres qui sont tombées ici. Voilà, ça en fait trop. Et je vais en prendre une pour clôturer ce jeu pour Lina. Ok. Donc, pour elle, tout n'est pas rose. Hein. Effectivement, on nous parle ici de jalousie, on nous parle d'humiliation, on nous parle de... Ouais, il y a quand même des choses ambivalentes hein, autour d'elle. Tout n'est pas aussi beau que son joli sourire voudrait bien laisser l'entendre. Hein. On nous montre des difficultés ici. Et vraiment des choses qui sont lourdes à porter pour elle. Alors, soit elle n'a aucun désir d'enfant et ça va être compliqué pour elle à gérer, ce qui est possible. Soit ici, on nous fait part de son enfance et on nous dit que pour elle, ce n'était pas si simple durant l'enfance. Je ne connais pas sa vie, j'ai jamais regardé d'interview où on parle d'elle, puisque je regarde des interviews où elle-même, en fait, parle. Interview des gens, pardon. Donc, c'est vrai que je ne la connais pas. Donc, je ne peux pas dire, du coup, si c'est vrai ou si c'est faux. Donc là, mes cartes tombent dans tous les sens et ça ne m'arrange pas vraiment pour arriver à distinguer celles qui veulent vraiment rester. Bon, ben voilà, là, il n'y en a plus qu'une. Donc, on l'a humiliée. Hein. Elle a gardé secret pour elle ce qu'elle a ressenti, mais vraiment, elle a été très, très, très blessée. Il y a eu quelque chose qui a fait d'elle... qu'elle s'est repliée en fait un peu sur elle-même et que du coup il lui a fallu du temps pour arriver à retrouver sa lumière. On voit quand même que la lune éclaire la nuit et bon, ben, c'est une petite touche positive dans l'obscurité. Pour le rire, la carte de l'argent arrive. Donc ici je peux penser que Lena a un rapport à l'argent qui est plutôt détendu. On peut nous dire que pour elle c'est pas forcément non plus anodin de faire ce travail, qu'il y a une volonté de s'enrichir, mais ce qui est tout à fait normal, et que certains peuvent médire sur elle en se disant, bah, vous voyez, elle fait comme si elle était sympathique, mais en réalité, c'est que pour l'argent, elle fait son travail, en fait, pour lequel elle est juste rémunérée. Pour moi, vraiment, c'est sa notion à l'argent ici qui ressort et qui est vraiment très, très légère, et bah, c'est peut-être ce qui permet que les choses fonctionnent pour elle. Alors, la relation avec son père semble avoir connu de certains tumultes. Il se peut peut-être que son père ait été obligé de partir avec cette notion de tornade. On peut nous indiquer un mouvement obligatoire. Est-ce qu'il a dû quitter à un moment le foyer contraint et forcé? En tout cas, il y a une spirale qui n'est pas positive autour de ce papa. Hein. Les contraintes. Donc, on a obligé à un moment Lena à stopper une activité. Il y a eu des contraintes légales autour d'elle qui ont dû intervenir. Alors, je ne sais pas, hein, vous pouvez me dire en commentaire si vous êtes au courant de quelque chose dans ses débuts ou plutôt quelque chose qui l'a contraint et aujourd'hui à limiter certains supports, certaines vidéos, certains sujets. N'hésitez pas à me faire savoir, ça m'intéresse vraiment. Parce que là, on nous parle d'une autorité extérieure, comme dans le jeu précédent. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui fait obstruction, malgré tout, à sa réussite et à ses volontés. Alors, excusez-moi, la carte était tombée. Donc, on nous parle ici, dans la destruction de la forêt qui ressort, je sais pas si, oui, si ça va, bon, bref, la forêt, voilà. La forêt qui nous dit que les choses sont cachées. Je pense qu'on peut nous dire que les conséquences pour elle de ce stress et de toute cette vie sont vraiment plus importantes que ce qu'elle ne le pensait. Et qu'elle a caché, et en cachant, ben, malheureusement, ça s'est empiré en fait hein, pour elle. Donc ce qui l'a détruit un peu, c'est ce manque de verbalisation des choses. Elle a beau parler, elle ne va pas au fond de ce qui la touche. Elle ne dit pas ce qui la touche vraiment. Peut-être qu'elle ne le sait pas d'ailleurs. La lutte de pouvoir est recouverte par la trahison ici, que des faux amis et des gens à qui il ne faut pas tourner le dos. Et sur la haine, on a le joueur de mandoline, le blablateur, comme je le dis souvent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est réel, puisque la haine qu'elle reçoit, bah, c'est des trolls. Hein.
C'est sûr que c'est jamais agréable, je le vois à mon tout petit niveau, mais c'est vrai que c'est de la haine de gens qui ne font que parler. Et je suis persuadée que s'il la croisait un jour dans le monde réel, il n'aurait pas ce genre de propos envers elle. Voilà ce que je pouvais vous proposer aujourd'hui pour le tirage qui concerne Léna Situation. Je vous remercie par avance de liker cette vidéo si vous avez apprécié. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas fait. C'est tout à fait gratuit. Il suffit de cliquer sur s'abonner et puis d'activer la cloche pour recevoir les notifications et savoir avant tout le monde quand je vais poster des vidéos. En tout cas, si vous avez des idées de sujets, de personnalités, de crimes ou de sujets d'actualité qui vous viennent en tête, je reste à votre écoute et n'hésitez pas à me contacter également via mon compte Instagram ou Facebook, l'intrigante, tout attaché, donc LINTRIGUANTE. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.